Nous sommes morts et rien ne s'est produit. Nos yeux se sont fermés, nous les avons rouverts. Exactement au même endroit. Nous avions tout, mais personne ne nous voyait. Nous avions la forme de nos corps et pourtant, nous étions désincarnés. Nous avions gardé nos voix. Mais elles ne portaient plus. Reconnaître que nous avons redouté la mort jusqu'au dernier instant de nos vies, et que nous avons lutté contre elle aussi longtemps que nous l'avons pu, jusqu'à ce qu'une chose fasse son entrée et éteigne toutes les lumières. Mais cette peur était mêlée d'une curiosité, d'une interrogation hésitante et apeurée, car enfin, nous allions obtenir les réponses à toutes nos questions. Le temps est parfois cet infâme salaud qui ne nous donne toute chose qu'afin de mieux venir nous la reprendre. Que pouvons-nous faire pour retrouver ceux qui sont partis trop tôt? La vie est-elle donc tout à fait inutile? N'est-il aucun mot qui serait capable de rompre cette loi impitoyable? N'est-il donc aucune phrase qui soit assez puissante pour vaincre l'impossible? Les défunts ne vont nulle part. Ils reposent tranquilles au creux de la terre. La chair pourrit. Les os deviennent poussière et, avec le temps, l'être humain fournit un engrais à la végétation qui se gorge de soleil ou de pluie et met un peu de couleur dans l'existence.
part, loin à l'intérieur des contrées de l'esprit, se cache une lumière qui vacille et refuse de s'éteindre, refuse de céder face au poids des ténèbres et de la mort qui étouffe. Cette lumière nous nourrit autant qu'elle nous torture. Le son d'une voix, le mouvement d'une main, tous ces détails engloutis laissent dans le cœur comme une plaie ouverte que le temps change peu à peu en une cicatrice pour souffler. Nos yeux sont tels des gouttes de pluie, emplies de ciel, d'air limpide et de néant. Ces lieux sont parfois si calmes que l'on n'entend rien d'autre que le battement de nos cœurs. Et c'est tout bonnement à pleurer. Choisir entre deux mots le moindre, le difficile et l'infranchissable. Nos paroles sont-elles des brigades de sauveteurs qui jamais ne renoncent à leur quête? Leur but est d'arracher des événements passés et des vies éteintes au trou noir de l'oubli. Reste allongé pendant que les rêves s'évaporent de sa conscience et s'élèvent vers le ciel où les anges les lisent. Espérons qu'ils ne le font qu'afin de se distraire et ne les consignent pas pour lui en donner lecture le jour suprême. Thank you.
silence repose sur toute chose. Il n'y a que la neige qui tombe et ses mots qui enferment un mystère. Il est difficile de faire la différence entre ce que l'on voit et ce que l'on croit voir. On voit parfois des choses qui n'existent pas. Still.